Hello everyone, Andrei here from SWL, and this is one of the very few signals that you can catch in the 11 meter band. It is the BBC in French, broadcasting from Madagascar. They used to have a transmission from Wiffreton in the UK on the same frequency, aimed at Southern Africa in English, but with the new A24 schedules, when the BBC sharply reduced their shortwave transmissions, that one was cut. I was a bit surprised therefore today to find this one in French. It's the same frequency, only half an hour a day from 1200 to 1230 UTC. And there isn't much else in this band. There is World Music Radio on 25800, and there is also a test transmission from Moscow Technical University using the same frequency as the BBC, 25900. In the evenings on weekdays from 1830 to 2100 UTC. Plus de 30 ans après la première édition, le festival de jazz de Saint-Louis tient toujours la route. Quel est le secret de la longévité de ce festival? Oui, c'est un festival qui donc est vraiment de la volonté de certains passionnés de jazz d'abord, et puis qui a trouvé à un moment donné un peu l'implication de tous les acteurs, donc que ce soit touristique ou culturel de Saint-Louis, qui chaque année se sont fait un devoir de se battre un peu pour tout. Donc l'organisation et la réussite de cet événement. Voilà, avec l'implication des corps consulaires, des grandes sociétés de la place, et donc qui ont voulu à chaque fois soutenir cet événement, qui est porteur de développement touristique, mais aussi qui, dans le temps, et encore aujourd'hui, a reçu beaucoup d'artistes, donc de renommée internationale, qui se sont produits sur la scène du festival. Donc, qui est un excellent choriste, et donc, qui a eu, donc, à monter sur scène avec beaucoup de grands artistes, tels que Pharaoh Sanders. Aujourd'hui, hein, c'est la 32e édition. 32 éditions, ce n'est pas petit. Cette édition de 2024, qu'est-ce qu'elle nous proposera? À quoi doivent s'attendre les passionnés du jazz? Qui serait, disons, un plus? Quoi de nouveau par rapport à ce qu'ils ont vu en 2023? Non, c'est le festival est toujours essayé à travers son programme, que ce soit les programmes du IN, que ce soit au niveau du OFF, que ce soit ce qui se passe autour de Saint-Louis pendant la période, de faire à chaque fois en sorte que vraiment tous les festivaliers se retrouvent plus ou moins dans ce que nous faisons. Est-ce que, à part le programme des différentes scènes, des résidences et des jam sections telles que vous l'avez dit, aujourd'hui, vous l'avez dit dans votre réponse précédente, on a l'impression, en tout cas certains pensent que le jazz c'est une affaire de personnes qui connaissent la musique, une affaire d'élitiste. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des actions quand même qui sont menées par le festival de jazz de Saint-Louis pour faire découvrir le jazz au Sénégalais lambda? Ben, c'est d'essayer d'abord un peu de faciliter l'accès à tout ce qu'ils voulaient, jeter un coup d'œil, c'est essayer un peu dans le temps d'impliquer un peu les plus jeunes, que ce soit en passant par les écoles, que ce soit en parlant par les universités. Et aujourd'hui, c'est pour nous l'idée vraiment de faire en sorte que voilà, certaines populations découvrent un peu cette musique, donc qui n'est pas donc une musique comme le pourraient le penser certains, et qui vient d'ailleurs, c'est une musique bien de chez nous. Merci beaucoup, Ben Gelun. Prenez votre futur en main avec BBC. Comprendre le monde, c'est le conquérir. Connaître les tendances et créer ta propre voix. Laisse-toi inspirer par l'actu d'ici et d'ailleurs. Quand on est armé d'une perspective plus large du monde, tout est possible. Prenez votre futur en main. Recherchez BBC Afrique.